en question. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្មការនីតិវិធីសម្ភារការនិងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងទ្រង់រដូវដល់ចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រនីរូបនេះសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Avant la pause, Monsieur la partie civile, vous nous aviez dit que vous receviez de la soupe claire à manger. Une fois que vous étiez arrivé au village de Trapintrao, dans le district de Tramkak, est-ce que vous aviez assez à manger? Est-ce qu'en raison de ce manque de nourriture, des gens tombaient-ils malades dans votre groupe de 17 avril? Quand les gens étaient malades, est-ce qu'ils recevaient une ration alimentaire normale? Quand ils ne travaillaient pas. ពួកគេដែលមិនធ្វើការមិនបានហ្នឹងគឺអាហារបើតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគេបថយទៀតគេថាឈឺហើយត្រូវបថយទៀតឲ្យគ្នាហូបបបររួយហ្នឹងណាហើយបើតាមពិតទៅគេថាយើងអត់មានពលកម្មអីមិនចាញ់ធ្វើការងារអីបំបីហូបច្រើនទេហូបបន្តិចបន្តិចបានហើយយ៉ាងបាទ Et est-ce que les malades bénéficiaient de soins médicaux appropriés? Est-ce que les miliciens de ce village de Trapintrao, dans la commune de Trapintong Kangchung, et les cadres Khmer Rouge de cette place, est-ce qu'ils se méfiaient de votre groupe du 17 avril venant de Kirivong ou bien surveillaient-ils particulièrement? បាទពួកគេនឹងមិនដែលទុកចិត្តយើងប្រជាជនថ្មីហ្នឹងទេមិនដែលអត់ទុកចិត្តសោះពួកគេតាមដានតាមសាកសួរយើងអញ្ចឹងតាមគេថាឆ្លតទឹកវិជ្ជាហ្នឹងអាហ្នឹងគេនិយាយតាមដានយើងតែរហូតហ្នឹងអត់ដែលទុកចិត្តយើងទេបាទ
Est-ce que dans ce village et dans cette commune, il y avait-il des cas de Tout à l'heure, vous avez situé votre transfert vers Tramkak à partir du district de Kirivong vers septembre ou octobre 1977. Je voudrais remettre, avec l'autorisation du président, deux documents à la partie civile qui concernent justement le transfert de gens du district 109 vers le district 105 et qui datent précisément de septembre et octobre 1977. Il s'agit des documents E3-2448 et E3-4087. Je demande également à la Chambre l'autorisation d'afficher à l'écran les pages que je vais identifier tout de suite. Donc le premier document E3-2448, la page pertinente en Khmer, c'est 000-79102, c'est celle qui va être affichée, qui est affichée en anglais 00-32-2157 et en français 00-5887-84. Alors, pour résumer, c'est un rapport envoyé le 9 septembre 1977 par un certain Mon du comité de la coopérative de Trapping Tom Chung à l'encart du district concernant la situation des ennemis. Et le rapport mentionne l'arrestation dans la coopérative d'un jeune élève dénommé Keo, K-E-O, Ray, R-E-Y, dont il est dit qu'il a été récemment envoyé par l'encart du 109. Il est aussi précisé que son père avait déjà été écrasé par l'encart et que ce dénommé Keo Ray avait dit que, je cite, « Si les Cambodgiens avaient remporté la victoire dans la guerre, c'était parce que les Américains avaient cessé les bombardements. » Est-ce que vous connaissez cette personne appelée Mon, qui représente dans ce document le comité de la coopérative de Trapping Tom Chung? Trapping Tom Chung, d'arrêté. Bah, Mon, non, qui est mort, est-ce que vous connaissez ce jeune appelé Keo Ray qui avait été transféré dans le district de Kirivong vers celui de Tramkak peu de temps avant le 9 septembre 1977? Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Keo Ray. Keo Ray. Keo Ray. Keo Ray. Keo Ray. Keo Ray. ลือเต้ส่งใบถ่าอากองอยู่จ๊ะนั่นแหละนกเซิงบ่ากองกบมากองอยู่จนกองนรีนั่นแหละนกซังซังคเน่บ่าเข้มอดได้สกอลพองบ่า D'accord, ici il s'agissait d'une jeune personne, pas d'une vieille personne. Je me tourne maintenant vers le deuxième document. C'est le document E3-4087. Et la page en Khmer a affiché ces 000-79106. En français, 00-71-2-1-4. Et en anglais, 00-2-7-6-5-7-4.
s'agit donc d'un autre document de la même coopérative de la commune de Trapping Tom Kanchum, qui est daté du 9 octobre 1977, et qui est envoyé à l'encart du district de Tramkak. Le rapport dit ceci, je cite, au sein de l'unité des jeunes de la commune de Trapping Tom Kanchum se trouvent de nouveaux jeunes que l'Ankar a envoyés de l'unité 109, tels que Chip Chan, donc C-H-I-P, Chan, C-H-H-A, accent circonflexe N, Mam Sun, Ling Lot, Kep Sam. Ils se réunissaient en cachette à minuit le 8 octobre 1977. Les miliciens de la commune les ont arrêtés et les ont amenés à l'interrogatoire. Ils refusent d'y répondre et se taisent tous. Fin de citation. Est-ce que là aussi, parmi le groupe des gens qui ont été transférés du district 109 au district de Tramkak, avec vous, est-ce que vous avez connu ou rencontré ces jeunes qui t'appelaient Chip Chon, Mam Sun, Ling Lot et Kep Sam? Est-ce qu'avant votre arrestation, est-ce que vous avez entendu que d'autres personnes avaient déjà été arrêtées parmi le groupe du 17 avril? ដល់ពំពីមេសាទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវគេបានជម្លៀសពីគិរីវងនឹងមកដែរឬទេបាទខ្ញុំមានម្នាក់ជំនឿមកពីគិរីវងដូចគ្នាឈ្មោះវាអៀមសុខាអៀមសុខាហ្នឹងវាគេចូលទៅមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងមុនខ្ញុំទៀត Bien, j'en viens donc à votre emprisonnement à Angroka. Vous aviez déjà parlé le 2 avril dernier. Et je voudrais essayer d'éclaircir la période exacte, le mois durant lequel vous avez été arrêté. Vous avez en effet déclaré devant les juges d'instruction, c'est le document E319-12.3.8 à la réponse 65, que vous aviez travaillé environ un mois dans l'unité de charrette A2 avant votre arrestation. Dans le formulaire d'information supplémentaire E3-5035, il est précisé que vous avez été arrêté environ 5 mois après être arrivé à Trapping Tom Kanchum. Est-ce que vous pourriez nous aider à voir clair et nous repréciser combien de temps à peu près après votre arrivée dans le village de Trapping Trao, donc dans la commune de Trapping Tom Kanchum, vous avez été arrêté? Vous avez dit avoir été transféré en septembre-octobre 1977. À peu près quand avez-vous été arrêté pour être transféré à Angroka? ហើយក្រោយមកនោះគេបញ្ជូនលោកទៅអង្គការនឹងអញ្ចឹងសួរថាយ៉ាពេលប្រមាណក្រោយមកបាទគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងវាខ្ញុំប្រចាំដល់ខែប្រមាណខែប្រមាណអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថាក្នុងឆ្នាំ78បាទក្នុងឆ្នាំ78គឺគេចាប់ខ្ញុំ Thank you.
Vous n'avez donc pas beaucoup d'idées combien de mois se sont écoulés entre votre arrivée dans cette commune et le début de votre travail dans l'unité des charrettes et votre arrestation. Est-ce que c'est bien correct? Ou bien vous avez une idée à peu près combien de mois? Alors, vous avez parlé dans votre constitution partie civile E3-5034, de votre arrivée à Anroka. Et vous avez dit ceci, une fois arrivé au marché de Anroka, le conducteur donc de la charrette m'a confié au chef des miliciens RUOS. À l'audience du 2 avril dernier, vers 10h47, c'est le document de transcription E1-287.1, vous avez dit, je cite, « Je crois que ce marché servait de bureau à l'époque ». Fin de citation. Vous nous avez expliqué que vous avez travaillé en tant que prisonnier à Anroka, au moment donné, vous avez été autorisé à sortir pour travailler pendant la journée. Pendant ce travail, est-ce que vous avez pu apprendre si le bureau se trouvait au marché de Anroka, où se trouvait le dénommé Ruo, était un bureau, par exemple, de district, un bureau de commerce, un bureau de sécurité ou tout autre bureau? ខ្ញុំມັນច្បាស់ដែរព្រោះរឿងមន្ទីរហ្នឹងគេយកអាផ្សាអនុការធ្វើជាមន្ទីរស្រុកក៏មិនដឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគេចាប់មកនោះចាប់មកពីឃុំមកពីភូមិហើយអញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងថាប្រហែលជាស្រុកហើយព្រោះឆ្លប់ស្រុកឈ្មោះតារស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេអ្នក Bien. Lorsque vous êtes arrivé au bureau de détention, donc à la prison de Anroka, situé, vous avez dit, à quelques 400-500 mètres du marché, vers l'ouest, quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes rentré dans la pièce où vous alliez être détenu? Comment, par exemple, était l'odeur qui se dégageait de cette pièce? បាទរឿងតដល់កន្លែងនំមុនដំបងជួរគេបញ្ជូនយើងតយប់ខ្ញុំក៏ឃើញភ្លើងហ្នឹងស្មើនឹងកន្លែងគេជីងដាវអញ្ចឹងណាដល់រួចទៅក៏បានខ្ញុំឃើញរោងមួយដែលសង់ទាល់ដៃគេដាក់អ្នកក្តារអញ្ចឹងក្តារតបូលប្រក់សង់អាស័យប្រហែលជាទទឹង 5 ម៉ែត្របដោយ 10 ម៉ែត្រ ជាងអីហ្នឹងហើយដល់រួចទៅឈ្មោះមេញហ្នឹងគេក៏យកអាសអទ្វារគុកហ្នឹងយកមកចាក់ចាក់ឲ្យគេបើកទ្វារហ្នឹងទៅគេរុញខ្ញុំបញ្ចូលទៅហ្នឹងទៅថាចូលទៅហ្នឹងហ្នឹងចង់បកកាច់ជោះស្វេចអេសអាទឹកនោមផងស្អុយអាលិមួកយើងហ្នឹងផង ដល់ហើយចូលទៅដល់ក្នុងនោះហ្នឹងចង់ងាប់ម្ដងទៀតហ្នឹងបាទក្លិនស្អុយអាសោច
Quelle était l'apparence des prisonniers que vous aviez trouvés sur place? Est-ce que vous avez l'air d'être en bonne santé ou non? បាទពួកគាត់នឹងទាំងអស់គ្នានឹងដូចអត់មានសុខភាពល្អទេបាទខ្ញុំមើលទៅនៅតែស្បែកតដប់ឆ្អឹងដូចគ្នាខ្ញុំចូលទៅមុនដំបងខ្ញុំថែមទាំងអាណិតម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីមសុខាហ្នឹងទៀតដូចថាគ្នាស្គមនៅស្បែកដប់ឆ្អឹងហ្នឹងឯរបបរបស់ខ្ញុំគេ ឲ្យដួសមកឲ្យខ្ញុំមកវេកកលោបមកវេកដួសសម្លហ្នឹងដួសមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ហូបថាឃើញគ្នាស្គមស្គាំងពេកមានតែស្បែកតដប់ឆ្អឹងមិនថាហោហូបទេមិនហូបទេវិញឯងដូចស្គមមកបាទរឿងសុខភាពខ្ញុំថាអត់មានអ្នកណាមួយសុខភាពល្អទេបាទអត់មានទេអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានទេសោះ À l'audience du 2 avril dernier, vers 11h02, vous avez parlé de la mort de faim en détention à un gros cas, dénommé Pat, P-H-A-T. Est-ce qu'il y a eu, d'après ce que vous avez vu, d'autres prisonniers qui sont morts de faim, de maladie ou de mauvais traitements à un gros cas lorsque vous y étiez? បាទនៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងហ្នឹងគាត់ថាក្នុងរយៈពេលខ្ញុំនៅក្នុងគុកគឺមានអាម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះផាត់ទេគឺវាឈ្មោះប៉ាត់បាទឈ្មោះប៉ាត់ហើយអាអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងមានអាម្នាក់អាមួយហ្នឹងគ្នាពិការ ແນ່ວິການໃຫ້ດໍຮູ້ໂຕເວຖືການອີ່ມັນບານໄປເລັ່ງໂດຍທີແນ່ປະເກປະການນັ້ນຍາຕົກກໍມັນຈະໄນດອກຈັ່ງກໍມັນຄາດອີ່ຢູ່ດັກຊີດົງຊີອີ່ຂ້ອຍອັດດັງທີ່ຢູ່ບັດໂຕດັງຢູ່ໂຕໃຫ້ນາ Vous avez parlé de la dimension de cette salle de détention. Est-ce que vous pouvez préciser s'il y avait une seule pièce où les prisonniers étaient enfermés ou bien y en avait-il d'autres? គឺអត់មានបន្ទប់ច្រើនទេតាគឺម៉ារោងហ្នឹងប៉ាន់គេរៀបពីរល្វែងយើងដេកតល់ជើងគ្នាអញ្ចឹងឯងអាប្លោះកដាលហ្នឹងគេដាក់អានេញខាបដាក់ពីងអីសម្រាប់យើងបត់ដៃបត់ជើងអីហ្នឹងបាទអាប្លោះកដាលអញ្ចឹងហើយស្រីស្រីដេកក្បាលនោះទៅខ្ញុំប្រុសៗដេកក្បាលនេះមកហើយជើងជាប់ខ្នោះដូចគ្នាហ្នឹង Est-ce que vous pourriez estimer à peu près le nombre maximal de prisonniers qui ont été enfermés en même temps la nuit à un gros cas? Est-ce qu'il y a une période particulière où il y a plus de détenus que d'autres? Et à peu près combien de personnes se trouvaient alors dans cette pièce? បាទមានដោយថ្ងៃអញ្ចឹងដែរថ្ងៃណានេះគេបញ្ជូនតូនណែនទាំងអស់ដល់រដល់ពេលយប់អញ្ចឹងគេបញ្ជូលតូនដាក់នៅក្នុងជាប់គុកនៅក្នុង
Hay đó là pel thay đôi thao vừa nay anh pel chứ cái bị chun chanh vinh nâng tuổi na đây. Et est-ce que vous êtes capable ou pas de d'estimer, lorsque ce hall était surpeuplé, combien de personnes s'y trouvaient à la fois entravées pendant la nuit? Hay ta nó không nóng hay cứ chụp nó đúng không? Mấy anh lực lên là cả mà tôi đôi thà cồn chay ấy đúng không? Nó bảo đó nó đúng không? Mấy anh đặt nó hay đặt nó làm mai về. Merci. Concernant la fréquence des arrivées de nouveaux prisonniers à Angkoka, si je ne me trompe pas, le 2 avril, vous avez dit que c'était de temps en temps. Est-ce que vous pourriez préciser à la Chambre ce que vous entendez par là? Est-ce que les arrivées de nouveaux prisonniers se produisaient chaque semaine, plusieurs fois par mois, ou une autre estimation? Thank you, Mr. President. Although the questions are interesting and I believe the answers could also be interesting, nevertheless, the situation and prison conditions in Angkoka are not part of this segment, are not part of this trial. Maybe I formulate my objection into request for guidance as to what we should do with Angkoka prison. Technically, these questions are irrelevant. However, if you consider it to be relevant as to functioning of Kang Ta Chan, I can understand. But I think my objection is formulated as such that I would like to have some guidance as to how we should proceed. Je voudrais répondre. Je pense que tout d'abord, effectivement, il y a un lien avec Kang Ta Chan qui a déjà été démontré à travers des documents qui ont été présentés devant cette chambre. Et deuxièmement, il y a également un lien très clair avec les coopératives du district de Tram Kak, puisque ce sont bien les gens des coopératives qui étaient arrêtés et envoyés soit à Angkoka, soit à Kang Ta Chan. Je crois que le lien est clair et il faudrait que nous puissions poursuivre à poser, que nous soyons autorisés à poursuivre à poser des questions. Merci.
បាទអង្គជំរះសម្រេចថាអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុអាចសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃមន្ទីរសន្តិសុខអង្គរការប៉ុន្តែសូមភិក្ខុជ្រាបថាមិនក៏បីសួរឲ្យបានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខអង្គរការនោះទេប៉ុន្តែអង្គរការនោះគឺជាផ្នែកមួយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងជាមួយនឹងសហគមន៍ត្រាំកក់ហើយក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខត្រាំងតាចាន់ នៅម្ដងរອບនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិបើសិនបើនៅចាំហើយបើមិនចាំទេសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិអាចរំលឹកឡើងវិញនៅសំណួរដែលលោកបានសួរទៅដើមម្ដងរອບពេលនេះ Je vais la répéter. Je vais répéter la question. Monsieur la partie civile, à quelle fréquence les nouveaux arrivés, les nouveaux prisonniers arrivaient à Angroka? Est-ce que c'était chaque semaine, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois ou toute autre fréquence? Est-ce que les prisonniers arrivaient à plusieurs ou cette situation était variable? Est-ce qu'il y avait des groupes de prisonniers qui arrivaient ensemble? Bien, concernant les sorties des prisonniers, vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition à la réponse 77 du document E319-12.3.8, vous avez dit avoir vu donc les gens de Angroka prendre 4 ou 5 personnes pour être tué chaque jour. Dans un autre document, E3-5035, vous avez dit que c'était plutôt tous les 2 ou 3 jours. C'est la page 2 de la traduction de ces informations complémentaires à la constitution de la partie civile. Est-ce que donc cette fréquence des sorties des personnes qui étaient emmenées d'Angroka variait selon les moments ហើយគេពរួលនឹងតាមពេលវេលាឬក៏យ៉ាងណាយកអ្នកទោសចេញទៅក្រៅទៅសួរថាប្រែប្រួលតាមវេលាឬក៏មិនមានការប្រែប្រួលអីទេបាទរឿងវាប្រែប្រួលតាមពេលតាមវេលាអីចឹងវាមិនមែនដូចថា Donc vous avez présumé en réalité que les gens qui étaient emmenés allaient être exécutés vers la montagne d'Amré Romil. Est-ce qu'à votre connaissance, lorsque vous travailliez à l'extérieur du bureau du centre, du lieu de détention d'Angroka, est-ce que vous avez vu si des détenus étaient envoyé vers le bureau du district d'Angroka ou vers le marché d'Angroka?
ບາແນ່ໂຕគេປະຊຸນມາດາມົນຕີກາຍຂ້ອຍຊອບນະນັ້ນໃນປີກາຍຫຼາຍສາອົງການໃດໃຫ້ເລື່ອງគេຍໍໂຕສຫຼັບຫຼືກໍໂຕນານໍຂ້ອຍອາດບານດັງເທປີປູກຂ້ອຍລົບເມືອຕາມປະຫຼາດຈັ່ງໃດເວອາດມີນີ້ມັນແມ່ນປະຫອງຕູຕູຍັງຂ້ອຍລົບເມືອຄືຍ Est-ce qu'à l'époque vous aviez entendu parler, peut-être par d'autres prisonniers détenus avec vous près de Angroka, du centre de sécurité de Krangtachan? Est-ce que vous aviez entendu parler de ce centre et de sa fonction? ខ្ញុំបាទមិនដែលឮទេរឿងនឹងពពោះថាអ្នកទោសណាក៏គេនៅជាប់ជាមួយគ្នានឹងក៏មិនដែលឮថាមន្ទីរក្រាំងតាចាន់នឹងដែរទឹកដឹងឡៅនឹងដែរទេដឹងតែពេលបែកហើយនឹងដែរអត់ដឹងថាអ្នកទោសនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំមិនពេលមិនធ្លាប់ឮគេនិយាយអញ្ចឹងដែរអត់មានណានិយាយអីផង Vous avez déclaré le 2 avril dernier que vous aviez été mis au travail à peu près 3 mois après votre arrivée dans le centre de détention près de Angroka, après que Meng vous ait interrogé. Est-ce que vous avez appris pourquoi est-ce qu'on vous a autorisé à travailler durant la journée à partir de ce moment-là? បាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំនៅជាប់នៅក្នុងមន្ទីរហ្នឹងក៏ទៅវាជុលថា3ខែហើយរួចបើដល់ពេលអាពួកគេជាប់មុនហ្នឹងគេចាញ់ទៅធ្វើការអស់អញ្ចឹងទៅនៅរកខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយបានឈ្មោះមេហ្នឹងគេហៅខ្ញុំទៅសួរចម្លើយហើយគេកត់ឆ្នាំណាដោយណាឆ្នាំណាដោយណាបានទៅរួចទៅបានគេឲ្យចាញ់ធ្វើការពេលថ្ងៃគេ À part le cadre Rouault, le milicien que vous avez rencontré au début, est-ce qu'il y a eu d'autres chefs ou cadres du district, par exemple, qui sont venus voir Meng à la prison? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer? Est-ce que Meng, le chef de la prison, disposait-il d'un messager?
Vous avez parlé le 2 avril 2015 d'un nourrisson qui était avec sa mère détenue à Angoka lorsque vous êtes arrivé sur place. Aujourd'hui, vous avez également dit que les petits-enfants, les nourrissons, n'étaient pas entravés, mais que leur mère l'était. Je voudrais, avec l'autorisation de la Chambre, montrer la partie civile. Le document E3-4093 et le faire afficher à l'écran également. Mais avant cela, peut-être une question préliminaire. Est-ce que les jeunes enfants, les nourrissons, suivaient le sort de leur mère? C'est-à-dire, si les mères étaient emmenées ailleurs, les enfants l'étaient également. Et alors les pages qui m'intéressent en Khmer, en fait, c'est quatre pages, et on va les parcourir rapidement. C'est l'IRN 00-27-07-86 jusqu'à 89. En français, c'est tout d'abord la page 00-7-2-9-6-7-4, ainsi que la page qui suit, qui se termine par 7-5. Et en anglais, c'est les pages 00-8-3-1-4-8-6-8-7. Donc c'est un document qui a été authentifié par son auteur, Tapsan, le chef du district de Tramkak, devant sa chambre. Il s'agit d'instructions qui ont été transmises le 7 août 1978 par Tapsan à un certain Chön. Et donc sur cette première page, il dit notamment, je cite, « À propos des veuves qui sont venues de Trapping Thom du Nord, de nos jours, elles sont chez le camarade Meng. Je vous demande de tout balayer, de tout nettoyer proprement. » Fin de citation. Et donc à la page suivante, je crois qu'en Khmer, c'est 00-2-7-07-8-8. Je cite le message un autre message de Meng daté du 8 août 1978, donc le lendemain. Et il dit ceci: je voudrais apporter les précisions suivantes à mon compte rendu de la base de la commune de Trapping Thom du Nord au sujet de l'histoire des 5 veuves dont les noms sont comme ci-après. 1. M-U-O-Y, métis sino-vietnamienne. 2. Ban Sokun alias Hi, métis sino-vietnamienne. 3. Kieu, K-I-E-U. 4. Thu, T-H-O-U, alias Leng, vietnamienne. Et 5. Mao. Fin de citation. Le rapport mentionne qu'ils se plaignaient de la nourriture et du travail et qu'ils avaient décidé de s'enfuir au Vietnam. Alors, ma question est la suivante. Ce rapport parle de la situation de 5 prisonnières en août 1978. Parmi les prisonnières de Angkor, vous étiez détenues. Est-ce que vous avez connu certaines de ces veuves de la commune de Trapping Thom Nord, à savoir Mui, Ban Sokun alias Hik, Kieu, Thu alias Leng, Mao? ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឃើញ
ເຄີຍນໍໂຈລໂຕຈອບນ້ອງຢູ່ຫມួយຂ້ອຍມັນໄດ້ບາປານຈອບນັ້ນອາດຢູ່ເດໂຕກະນະດັກຄ້ອງຕາມາຍົບປີຍົບນັ້ນກິໂຍຈັ່ງຕະຕີໂຕບາປານນັ້ນເດເລື່ອງເວໂຕພ្លຽມພ្លຽມຈັ່ງພ្លຽມພ្លຽມຍັງຂ້ອຍອາດບານສະກວາດໄດ້ບາເບຍປານນັ້ນ Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des enfants, des jeunes enfants qui étaient avec elle? Nga nou chmuoy puok satrai mai mai tang os nang dai ru te. Mien mneak ba, mien kon nga mneak. Nong madai nang bao pambao dos no nang. Bien, je voudrais vous montrer maintenant un autre document. C'est le document D157.6. Avec l'autorisation de la Chambre, si je peux vous remettre. Je vais également le faire afficher à l'écran. Je vais vous montrer un autre document. Donc la référence en Khmer est 002-7-07-20. En anglais 003-2-0-9. Oui, Monsieur le Président. En Khmer, 00-27-07-20. Et en anglais, 00-32-20-89. Il n'y a pas de traduction française. Alors, il s'agit d'un document envoyé par Meng au parti pour information. Et je signale en passant qu'il y a une incohérence, en tout cas en anglais, puisqu'on parle du 12 juin 1974, mais qui semble en fait qu'il s'agisse bien du 12 juin 1978 sur la base d'informations contenues concernant la même. Le même prisonnier qui se trouve dans d'autres documents qui eux datent de 78. Je vais peut-être citer ces documents par la suite. En tout cas, c'est un document daté d'un 12 juin, émanant de Meng, et qui rapporte au parti ce qui suit concernant l'AI, L-A-Y, Kit K-I-E-T. Qui avait 27 ans, qui était né au marché de Kirivom, district 109, et qui était une personne du peuple nouveau qui avait été amené à Trangkak. Alors Meng rapporte que Lai Kit s'est plaint des conditions de vie sous la révolution, qu'il travaillait trop, qu'il se réunissait avec d'autres jeunes, et il se plaignait également de ne pas avoir assez à manger, d'avoir détruit les pousses de jacquier. Est-ce que à Angroka, lorsque vous étiez prisonnier, est-ce que vous avez connu un jeune dénommé Lai Kit, qui, selon un autre document ou dossier, c'est-à-dire E3-4092, était d'ethnie chinoise? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Lai Kit? Bad,
Just a request for clarification, Mr. President, I noticed a difference in dates on the English translation of the document in the Khmer version, although I'm not able to distinguish quite well the date on the Khmer version of this document. But in general, if this is noted, how should we proceed? I presume there should be a request for a correction, or should we establish right now here that it is in fact a wrong translation? បាទជាដឹងវិញថាដើមរំនេះគាត់ត្រូវការត្រូវបន្ទប់ទឹកជាបន្ទាន់ចឹងហើយបានយើងសម្រេចឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅដោយសារគាត់មិនអាចទ្រាំបាន Yeah, this is to the request of guidance how to deal with these discrepancies. We suggest for ease of reference to make requests for correction, because then it's easier to locate in the case file. This request should be made by the party who actually finds the discrepancy. Justement, avant que la partie civile revienne, peut-être simplement pour dire que les chiffres 4 et 8 en Khmer, visiblement, sont assez proches, et qu'il est parfois difficile pour les traducteurs de voir exactement la date. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de 78, parce que le nom de cette même personne est cité dans trois autres documents qui, eux, datent de 78. Et simplement, peut-être...
signaler ces trois autres documents, E3-4083. Je n'ai que la référence en anglais. C'est l'IRN 003239947. Il y a également le document E3-2046. En anglais, référence 002902. Et enfin E3-4092. Référence en Khmer 002711150. Et en anglais 00834809. Voilà pour cette parenthèse. Je n'ai plus que deux questions à vous poser, monsieur la partie civile. À l'image de cette personne, Lekit, qui a été, selon le document qui vous a été lu, emprisonné à Angroka, est-ce qu'il y avait sur place beaucoup de prisonniers qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient ouvertement critiqué la révolution ou les conditions de vie ou de travail durant le régime de Khmer Rouge? ខ្ញុំដូចជានៅកន្លែងមន្ទីរសន្តិសុខអង្គការហ្នឹងដូចអត់មានឃើញណារិះគន់ស្អីផងខ្ញុំអត់ដឹង D'accord, je comprends qu'ils ne critiquaient pas une fois qu'ils étaient sur place, mais est-ce que vous avez pu entendre de la part d'autres détenus qui étaient là avec vous qu'ils avaient été arrêtés pour avoir précédemment critiqué le régime, par exemple, dans une coopérative ou un groupe mobile? បាទគេចាប់មកដាក់គុកអង្គការហ្នឹងបាទនេះតោះមនុស្សវាច្រើនជាងណាខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះអស់ទេមិនដឹងមួយណាជាមួយណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបាទ Bien, finalement, monsieur la partie civile, je n'ai plus d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de revenir et de nous avoir répondu aussi bien. បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការ មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបពវេនីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TVO ដែលអង្គុយអមគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សាក្សីកម្មនៅមុខតុលាការអង្គជំរះនៅពេលអង្គជំរះនេះនៅវិលៀមម៉ោង 1:30 នាទីបង្កប់ឲ្យអនុរិយអំពីកំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាលសន្និប